les versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « Ils ont enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre, qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit deux anges vêtus de blanc assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au jardinier, au gardien du jardin, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore montée vers mon Père. Pour toi, va retrouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qu'il est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. » Je vous invite à chanter ensemble le cantique 144 « Jésus sort de la tombe ». Thank you.
Prions ensemble. Seigneur, bénis notre écoute. Permets que nous entendions ta voix au milieu des mots anciens. Permets que les témoignages de ceux qui ont cru avant nous viennent jusqu'à nous éclairer notre foi. Apporte tout réconfort à ceux qui attendent dans leur vie ta résurrection. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Cette prédication, j'invite les personnes qui ont envie de s'asseoir pour être mieux installées à venir et à ne pas être timides. S'ils veulent s'installer dans le chœur, il y a encore des places libres. Il fait encore sombre. La mort de Jésus obscurcit encore le ciel. En ce matin, qu'elle est longue à se lever cette aube du premier jour. Dans les ténèbres du supplice de celui qui l'avait sauvé, une femme revient au jardin du Golgotha. Déjà quand on le crucifiait, alors que tous les autres avaient disparu, alors qu'aucun des disciples n'était là, au pied de la croix, elle, cette femme qui marche dans les ténèbres, était présente. Avec la mère et la tante de Jésus, elle était restée fidèle et constante. Seul le disciple que Jésus aimait était déjà là avec les femmes. Elle revient, bravant la peur, bravant la nuit, pour retrouver celui que la folie des hommes lui a ravi. La femme que l'évangile de Marc et l'évangile de Matthieu présentent comme celle dont Jésus a chassé 7 démons est de nouveau dans la peur. On a crucifié Jésus. Et même en sachant qu'il est dans ce tombeau neuf, au jardin qui entourait le Golgotha, elle n'est pas tranquille. Que peuvent-ils lui faire encore? De quelle profanation sont-ils encore capables? Ceux qui la disent folle et qui ont crucifié le juste, le sauveur, le seul qui l'avait arraché à sa tour, à sa forteresse. Car Magdala veut bien dire tour ou forteresse. Premier témoin de la résurrection, Marie Magdala se trouve devant l'impensable, l'incroyable situation qu'intuitivement elle pressentait. Sinon, pourquoi revenir devant une pierre impossible à déplacer? Elle avait l'intuition qu'il s'était passé quelque chose. Le tombeau est ouvert et le corps n'est plus là. Les ténèbres, alors, semblent s'épaissir encore. On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis, dit-elle. Les 7 démons menacent de revenir en Marie. Marie se disloque de nouveau. Elle parle d'elle en disant « nous ». Elle court, elle demande de l'aide. L'évangile de Jean nous montre le premier témoin de la résurrection. Et c'est une femme, et elle est seule. Elle a un lourd passé,
mais elle n'oublie pas ce que Jésus a fait pour elle. Alors que Jésus demandait à ses disciples, « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous ?» quand il leur lavait les pieds au soir de la Pâque, Marie Magdala n'a nul besoin qu'on lui rappelle ce que Jésus a fait pour elle. Elle en vit. Et comme il n'est plus là, elle risque de voir de nouveau son esprit sombrer dans les ténèbres, envahi de sept démons. Le corps de Jésus est vital pour Marie, elle qui avait trouvé son point d'ancrage dans cet homme qui ne la considérait pas comme irrécupérable, comme bon nombre d'autres. Elle a besoin de la présence de Jésus, extérieur à elle, vis-à-vis structurant, qui en la regardant la crée. Mais en ce matin qui peine à naître, en ce premier matin sans lui, Marie Magdala se sent sombrée dans le chaos. Où est celui qui la crée, qui l'ordonne? Eugène Drewermann écrit dans son livre « L'évangile des femmes » dans la perspective de l'évangile de Jean, ce n'est donc pas au fond à cause de la résurrection, le matin de Pâques, que l'on croit au Christ. C'est tout le contraire. Celui-là seul peut voir la résurrection de Jésus au matin de Pâques qui a éprouvé dans son propre corps que la personne de Jésus est en elle-même vie, lumière et résurrection. Il s'agit là, si l'on veut, d'une sorte d'inversion de la position théologique de Paul. Ce n'est pas la vision du ressuscité qui témoigne de la vérité du message de Jésus, mais celui-là seul qui aura éprouvé que sans la personne de Jésus, il n'est pas de vie. Seul celui-là sera capable de trouver le tombeau de Jésus vide au matin de Pâques. Marie Magdala voit le tombeau vide. Elle a éprouvé en elle-même cette présence vitale. Elle éprouve en elle ce vide. Telle est la foi de la première disciple, de la première témoin, plus prompte à comprendre ce qui se passe en ce matin qui peine à venir que les disciples, qui courent et agissent selon la préséance des apôtres officiels. Le disciple bien-aimé aura beau attendre Pierre pour qu'il entre dans le tombeau le premier, en apôtre autorisé, il aura beau croire à l'accomplissement des Écritures en voyant les bandelettes gisant sur le sol, c'est bien Marie Magdala, la femme qui était folle alliée, celle qu'on appelle la tour, celle que Jésus a ressuscitée d'entre les morts, qui sera la première apôtre de la résurrection. Non pas tant parce qu'elle est venue la première chronologiquement au tombeau, mais parce qu'elle a vécu la résurrection dans sa chair avant de la reconnaître dans ce jardin de Golgotha. Dès le IIIe siècle, Hippolyte de Rome reconnaît Marie de Magdala apôtre des apôtres. Mais au VIe siècle, Grégoire le Grand veut créer un exemple de conversion et de repentir sur le dos de notre apôtre. Il rapproche alors la pécheresse de l'évangile de Luc, la Marie de l'onction de Béthanie et la Marie de Magdala. D'apôtre qu'elle était, elle devient le modèle de la femme démoniaque, prostituée, et bien sûr repentante. Ces messieurs les apôtres ne risquaient plus rien. La femme était reléguée dans son rôle de tentatrice à cheveux longs, éternelle Ève, porteuse de fautes, mais pas porteuse d'une bonne nouvelle. C'est sans doute à Grégoire le Grand que je dois cette remarque d'une dame très chrétienne qui, me voyant monter en chair les cheveux dénoués, me lança catastrophée un jour. « Vous n'allez quand même pas prêcher les cheveux déliés, madame le pasteur. » Elle m'aurait appelée Madeleine, cela ne m'aurait pas du tout étonnée ce jour-là. Les visions un peu sexistes ont la vie dure dans nos églises, toujours. Pourtant, l'apôtre Marie Magdala vaut mieux que de tels amalgames.
alors que les disciples s'en retournent chez eux, comme si tout cela ne méritait pas qu'on s'y attarde. Elle reste près du tombeau et pleure. Pour elle, ce n'est pas fini, ça ne peut pas être fini. Et devant ce tombeau resté vide de son salut, Marie va se retourner par trois fois. La première fois, elle se retourne et se penche pour regarder dans le tombeau et elle y voit deux anges. L'un à l'endroit où se trouvait la tête du gisant, l'autre à l'endroit où se trouvaient ses pieds. Regardons avec elle dans ce tombeau. Déjà, l'aube se lève et le vide s'éclaire de symboles. Cette image des deux anges n'est-elle pas celle de l'Arche de l'Alliance, surmontée de l'expiatoire où deux anges, les chérubins, se font face et gardent les rouleaux de la Torah? Ne sommes-nous pas ici en présence du coffre de l'Alliance? Le tombeau déjà devient temple de la rencontre, sanctuaire dans lequel la parole de Dieu se fait proche, demeure, éternel, dans le flot du temps. Le temps s'arrête. Saint des saints du temple, le tombeau selon Jean est ce lieu où le vide se fait signifiant. Où le Dieu invisible est plus visible que tous les dieux qui se laissent figurer. Personne n'a jamais vu Dieu, mais la foi et les prophètes nous l'ont annoncé. N'est-ce pas de ce côté qu'il faut chercher la lumière alors ? Les chérubins de l'Arche de l'Alliance lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu ? » La promesse de Dieu l'accompagne, elle, la femme tant de fois réprouvée. Le Dieu qui console a envoyé ses anges pour elle. Marie répond et se retrouve elle-même. Et elle répond cette fois-ci « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Dieu devient Dieu pour elle. C'est son Seigneur qu'elle désire, c'est elle qui cherche Dieu. La deuxième fois où Marie se retourne, c'est quand elle voit Jésus debout, lui le mort, celui qui gisait au tombeau. Il est debout, relevé d'entre les morts, vivant. Sa raison est plus lucide que jamais. Elle raisonne, ce doit être le jardinier. Elle est responsable de celui qu'elle pleure, elle ira le prendre là où le jardinier l'a mis. Elle résiste à sa vision. Pas question de succomber de nouveau aux sept démons. La troisième fois où Marie se retourne, c'est quand son nom résonne Marie. Pas Magdala, pas la tour, pas la possédée, Marie. Elle le reconnaît enfin, ce maître qu'elle a suivi, écouté, dont elle a tiré le meilleur des enseignements et qui l'appelait par son prénom. Trois retournements, trois étapes dans sa conversion, trois mouvements pour se relever d'entre les morts. Marie est ressuscitée. Suscitée à nouveau par celui qui la regardait autrement que comme une folle, comme une femme capable d'être porteuse de bonnes nouvelles. Suscitée par son maître, incarnation de la parole de Dieu, incarnation de cette Torah si structurante quand elle n'est plus l'être morte. Suscitée comme apôtre quand Jésus, le ressuscité, l'envoie vers les disciples à égalité avec eux pour leur dire que désormais, ils sont tous les enfants de Dieu et les frères et sœurs de Jésus. N'est-elle pas debout, elle aussi, quand elle vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur? Le jour s'est levé, frères et sœurs. Et pour nous aussi, la lumière se fait sur cette résurrection, cœur de la foi chrétienne. Elle n'est pas le recommencement de la même vie, deuxième chance pour l'égarer. Elle n'est pas l'envers paradisiaque de la vie boueuse d'Adam. Elle n'est pas non plus la vie éthérée des âmes sans corps. La résurrection est une conversion dans laquelle notre vie est suscitée par Dieu, par une force plus grande que nous, par une force qui rejoint notre désir de vie. Dans la vie comme dans la mort, notre vie est suscitée par ce Dieu qui ne se lasse pas d'annoncer la vie.
La résurrection est une nouvelle naissance, non pas pour revivre, pour refaire du même, mais pour vivre à d'autres conditions, selon d'autres modalités. En cette image de Jésus sortant de la tombe et apparaissant à ses disciples, nous voyons l'image d'une vie plus grande que celle d'un homme entre naissance et mort, plus puissante que celle d'un crucifié qui a fini sans doute à la fosse commune comme tous ceux qu'on crucifiait. Dans la résurrection, Jésus s'outrepasse, déborde des limites de la vie terrestre et existe dans un temps qui ne finit jamais et qui vient jusqu'à nous. Dans un espace qui n'a pas de limite, dans un sens plus profond que notre capacité à le comprendre. Et plus il est absent de ce tombeau, plus il est présent éternellement. Comme un nom qui dit plus que ce qu'il peut contenir, Jésus. Inépuisable symbole qui n'en finit pas de dire qui il est, précisément parce qu'il n'est plus accessible que par le langage qui le suscite. Marie, elle aussi, vit cette expérience de débordement. Elle est suscitée par son nom, Marie, prononcé par celui qui est passé à l'éternité. C'est maintenant le jour de la libération de la mort. C'est la Pâque du Seigneur. Un jour nouveau s'est levé sur nos vies. Un Dieu s'est fait connaître en suscitant la vie d'un homme au-delà de la mort. La parole s'est faite chair, puis la chair disparue s'est faite parole. Ne craignons pas de marcher dans les ténèbres. Chaque fois que l'aube peine à venir, chaque fois que la vie se fait nuit pour nous, ne craignons pas que ce vide soit en nous. Ce vide est l'espace où la parole bienfaisante de Dieu se fait une place, où la consolation de Dieu résonne et nous dit, comme dans les eaux du Jourdain, tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis ma joie. Quand ce matin de Pâques, Dieu ressuscite tout ce qui est mortifère en nous, qu'il nous suscite comme porteurs d'une bonne nouvelle pour ce monde, qu'il nous fasse naître à la vie éternelle dans un nouveau baptême. Amen.